Cette émission vous est proposée grâce à la participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chevon, El Puyou, Stéphane, Warloff, Cobal et le Yav. La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD bimensuel qui essaye de changer un peu les choses, mais pas trop. Une pique, mon gimmick pourri. Bienvenue au 1A Club. Le 1A Club, un podcast qui parle de bande dessinée. On a un petit peu changé la formule. Mais pas le gimmick. Voilà, on a gardé le meilleur, on a viré le pire, sauf Tizak. Salut Tizak. Ce qui fait quelque part, on a peut-être toujours le meilleur et le pire. Et Thio qui est aussi là donc pour nous accompagner, pour vous parler de bande dessinée. C'est toi le meilleur ? Non, c'est juste que je suis toujours là, moi. Ah, pardon. Voilà. Au programme de cet épisode 201, une petite refonte de nos rubriques. Nous allons essayer de faire un peu plus moderne et in. Nous allons donc commencer par une rubrique qui va parler de ce qu'on a trouvé sur le net. Quelques petites choses en rapport avec la BD qui nous ont bien plu, qui nous ont intéressés. Puis nous arriverons à nos chroniques. Ça, c'est le genre de choses qu'on ne change pas, car nous sommes là pour faire des chroniques. Chroniques qui ont été sélectionnées par chacun de nos chroniqueurs. Chacun d'entre eux a ramené du tréfond de sa bibliothèque deux ouvrages. Certains ont souffert, se sont fait beaucoup de muscles pour le faire, n'est-ce pas, Tizak ? Oui, des livres lourds, en poids en tout cas. Puis nous jetterons un œil sur Final Space. Je vous parlerai rapidement de cette série Netflix qui m'a bien fait rire. Avant de vous quitter, nous aurons été ravis de faire une magnifique émission avec vous dans ce live si vous êtes présents sur Twitch, car je vous le rappelle, nous sommes présents sur Twitch et sur lavoixdesbulles.fr. Et nous pouvons tout de suite commencer avec notre rubrique sur le net. Online. Ce vieux jingle qui n'est pas à jour, mais ce n'est pas grave. Ce beau lancement, c'était propre. Ouais. Un petit coucou à Zertov qui nous a rejoint aussi. Donc, en online, je vais vous parler de deux choses que j'ai trouvées très sympas, parce que pendant le confinement, il a bien fallu trouver comment s'occuper. Et pour ça, vous pouvez aller sur le site unbonchien.fr, qui vous permet de fabriquer des petits magazines pour enfants. À chaque fois, la thématique est simple. Ça va vous parler d'un bon chien, une interaction entre souvent un enfant et un chien. Et vous allez voir plein d'auteurs plus ou moins connus. Moi, j'en ai découvert quelques-uns. Il y en avait que je connaissais déjà. Soledad Bravi, Ilia, par exemple, que je connaissais. Gali, etc. Et à chaque fois, ce sont des petits formats que vous allez pouvoir imprimer, plier, pour faire un petit livre qui coûte que dalle et que vous allez pouvoir donner à vos enfants. Ils vont pouvoir lire tout seul. Une petite bande dessinée vraiment bien foutue. Franchement, c'est un projet que je trouve très sympathique. Il y a un nombre de bouquins à l'heure actuelle très nombreux. Je ne les ai pas comptés, mais il y en a plus d'une quinzaine, au moins. Bref, c'est vraiment un projet moi, que j'ai adoré. Je vous recommande de le voir parce que ça permet de découvrir déjà des auteurs que vous ne connaissez pas forcément. Et puis ça permet d'offrir gratuitement, enfin pour le prix d'une cartouche d'impression, on va dire, de la bande dessinée à vos enfants. Donc unbonchien.fr, un site que je ne saurais que vous recommander. Que se passe-t-il, les gens ? Je vous vois dans le rire et... Rien, on était fin prêt, on était grave en avance et il nous manque quelques petits éléments. Les fameux trucs qui passent un peu d'automne. Ouais, c'est vrai, on va aller les chercher. Voilà. Tiens, on va demander à notre secrétaire assistante de choc. S'il te plaît, est-ce que tu peux nous ramener les machins de la liste de courses ? Merci, madame. Ouais, en fait, certains sont un peu disséminés dans toute ma maison, par contre. Voilà. Tu veux passer à la suite ? Oui, on passe à la suite, volontiers. Donc, cahier de vacances pour les adultes geeks et déviants. Vous trouverez le lien dans les liens de l'émission, et je ne peux pas vous le copier ici. En fait, c'est Label 119 qui avait prévu de sortir ça pour l'été. C'est-à-dire un cahier de vacances avec plein de jeux un peu débiles, vraiment autour des thématiques du Label 119, donc parfois un peu trash, vraiment pour adultes, souvent. Et du coup, déviants. Un peu déviant, avec plein de choses très sympathiques. Et évidemment, quand ils ont vu que leur cahier de vacances pour l'été, ça n'allait peut-être pas
tournait bien. Ils se sont dit, bon, on va le mettre en ligne gratos, pendant le confinement encore. Donc vous y retrouverez tous les auteurs que vous avez aimés du label 619, hein, que ce soit Florent Moudou ou Run et plein d'autres encore. Et c'est vraiment un grand plaisir à lire. Un très très beau projet que je vous invite à regarder si vous ne savez pas quoi faire de vos fins de vacances ou de votre rentrée, parce qu'il y en a qui ne savent pas quoi faire de la rentrée. Nous continuons maintenant avec nos chroniques. Nous allons parler de Dans la tête de Sherlock Holmes, une bande dessinée de Benoît Dahan et Cyril Liron, qui est sortie aux éditions Ankama. On en parlait à l'instant. Que Thio va nous chroniquer ? Eh oui. Alors déjà, je vais vous faire un petit peu le pitch. Donc c'est un petit diagnostic donc du docteur Watson qui se révèle être un petit peu plus que juste le diagnostic en fait. On va découvrir une poudre mystérieuse sur ses vêtements. Un ticket de spectacle très particulier va amener donc Sherlock Holmes à penser que le patient n'est pas l'unique victime d'un complot, mais qu'il semblerait voilà, qu'il y ait une sorte d'étrange disparition, d'étrange disparition dans Londres. Et forcément, on va aller voir un petit magicien chinois, on va voir plein de choses qui vont se passer. Et on va retrouver d'autres tickets, justement, qui vont confirmer les soupçons de notre cher détective. Alors forcément, quand j'ai vu ça chez mon libraire, je me suis dit... Merde, encore un Sherlock. En fait, t'es pas à ton premier. Ouais, voilà, un petit peu ras-le-bol des adaptations un petit peu foireuses, quoi. On a vu le gars à peu près 100 fois à la télé. Des fois c'était un gentleman, des fois c'était une sorte de lutteur moine de Shaolin. Ils font chier, quoi. Je le prendrai pas. Je me suis dit ça vraiment. Je me suis dit non, je vais pas le prendre. Ça a duré combien de secondes ? Mais forcément. Voilà, forcément. Si je fais la chronique, c'est qu'ils m'ont eu. Bah, ils m'ont eu. Et en fait, je vais peut-être même essayer de vous dire pourquoi. En fait, déjà chez Ankama, et ben en fait, ils ont fait un super taf, quoi. Un papier un peu beige, un peu jauni, une couverture très épaisse avec un trou dedans qui laisse entrevoir la tête, la silhouette de la tête de Sherlock Holmes. Non, mais ça, j'aurais pu le faire. Tu m'aurais fait un signe de la main, ça passait tout seul. Et du coup, voilà, forcément, je perds le fil. Il faudrait que tu apprennes à m'ignorer. Vas-y, continue. Mais oui, mais en fait, il faudrait que tu viennes chez moi. La couverture épaisse, le trou, voilà. Donc, je disais, bah, les gars, ils savent vendre, en fait. Hein. C'est leur taf. Donc, forcément, bah, tu te mets à feuilleter. Tu regardes, et puis là, tu vois un petit fil rouge qui va se balader, en fait, de page en page, de case en case. Et l'air de rien, en fait, ça questionne un peu, en fait, ce truc-là. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Et puis, bon, après, le titre, tu vois, Dans la tête de Sherlock Holmes. C'est-à-dire qu'on va arrêter en fait de lire l'histoire qui est racontée par Watson. Ça veut donc dire qu'on va vraiment rentrer dans les cellules grises de Monsieur Holmes. Littéralement. Bon, je suis d'accord, c'est un emprunt grossier à Hercule parce que c'est lui en fait qui a des cellules grises. Hein. C'est ça qui machine chez lui. Bon, voilà. Donc forcément, ça m'a donné envie. Donc j'ai commencé. On va avancer un petit peu. Bah, le scénario. Bien ficelé, et puis en plus, comme c'est un diptyque, bah, tu sais où tu vas, tu sais que tu auras deux tomes, c'est assez simple. Tu te dis, ok, c'est bon. Un bon scénario de Sherlock Holmes, une belle enquête. Et là, après, je pense qu'il faut parler du dessin, surtout. Parce que dans le dessin, on a une couleur, une narration, il y a plein de choses quoi, qui passent par là, mais bah, en fait, là, ils ont fait un tel taf, les gars, que bah, tout est lié. Il n'y a rien qui peut être dissocié l'un de l'autre. Tu ne peux pas dire, tiens, le scénario, il est à côté. Non, le dessinateur et le scénariste, ils ont tellement bossé ensemble que je pense que tu peux vraiment dire que c'est une sorte d'osmose, quoi. Ils ont fait un truc de malade, quoi. Le dessin, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé créatif. C'est élégant, t'as un petit trait qui est un petit peu angulé sur les personnages, et ça, j'aime vraiment beaucoup. La couleur va donner un petit côté un petit peu rétro sur les pages beiges. Justement, l'intérêt des pages beiges, ça aussi, j'aime beaucoup. Et puis, la composition des planches est absolument hallucinante. T'as rien qui est rectangulaire. Tu vas avoir des trucs qui vont être ronds, des trucs qui vont prendre la forme d'une tête. Tu vas rentrer dans les méninges, tu vas suivre le cheminement de Sherlock Holmes qui va se déplacer, le petit bonhomme. Enfin, ça pourrait presque paraître alambiqué au début, mais finalement, c'est super lisible. Et justement, dans ce côté très beau, très créatif, ben en fait, tu suis le fil rouge, quoi. Tu suis le cheminement dans la tête de Sherlock Holmes et tu passes un moment absolument génial. Alors forcément, dans mon classement personnel, en fait, à partir du moment où je dis trois fois « j'aime beaucoup » dans une chronique, c'est qu'en fait, j'ai vraiment kiffé le livre. Ah, t'aimes beaucoup, là. Ouais, donc moi, j'ai trouvé vraiment que c'est un ouvrage qui est absolument unique.
tant par le travail d'édition que par la vision en fait, des auteurs sur Sherlock. Et voilà. Et ça, bah, j'aime beaucoup. C'est là, normalement, on applaudit un petit peu à la fin de la chronique. Bon, c'est comme quand on est sur France Inter, tout ça. Voilà. Non, c'est pas France Inter. Isaac, tu l'as lu, qu'en as-tu pensé ? Oui, alors je l'ai lu et j'ai envie de dire à peu près la même chose que Mathieu. Alors ça va être un peu redondant, mais sur le même principe que toi, encore un Sherlock. Mais en même temps, moi, quand c'est encore un Sherlock, je me régale. Même quand c'est des gros navets qu'on passe sur Amazon ou sur Netflix ou je sais pas où, je les regarde tous. Quand c'est des bouquins, je me les fais aussi. Même si c'est juste pour les feuilleter chez le libraire, hein, c'est juste un petit bonheur, ce Sherlock. Et alors celui-là, pour le coup, il est tellement bien chiadé au niveau, comme tu le disais, de la construction, de l'édition, enfin, le livre, l'objet en lui-même est beau et bien présenté. Il donne forcément envie, un peu comme un bon plat quand tu arrives au restaurant. Mais quand tu suis la narration, l'histoire est bonne, mais l'histoire, c'est un classique, on va dire. C'est construit comme une histoire classique de Sherlock. Mais la narration graphique est géniale. Voilà. C'est un travail ouapesque, on pourrait dire, dans l'esprit, en tout cas. Et c'est voilà, une réussite sans commune mesure sur un sujet qui pourrait être le Xème Sherlock. Ben non, il trouve son identité, il trouve sa place et bravo. Je vais un peu te rejoindre. Hein. Il y a un exercice, alors moi, que j'apprécie parce que j'aime les exercices ouapiens. Ce côté de, on va essayer de se donner une contrainte et de lier le fond à la forme de façon vraiment très forte. Et c'est vrai qu'à notre époque, trouver une nouvelle façon d'approcher Sherlock Holmes, ce n'est guère évident. Bref, moi, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé et qui, je pense, vu qu'on a tous beaucoup aimé, mériterait peut-être un petit coup de cœur, car c'est notre règle, quand les trois lecteurs de l'ouvrage l'ont aimé, c'est le coup de cœur assuré. Donc, nous parlions donc de « Dans la tête de Sherlock Holmes », tome 1 sur 2, l'affaire du ticket scandaleux. Le tome 2 est attendu avec impatience, s'il vous plaît. Yes. voilà. Hein. Au centre accueil, merci. Voilà, chez Ankama Édition, par Benoît Dahan, Cyril Lieron, pour 14,90 €. Ça va arriver. Et c'est Isaac qui va nous parler d'Aldo Brando. Absolument. De Luigi Critton et je ne sais plus comment JP. Scénario. Ouais, je crois que c'est juste JP. C'est juste JP. Juste JP aux éditions Casterman. Absolument, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce beau pavé ? Alors là, moi, tu vois, j'aurais aimé une petite musique de fond, une musique d'ambiance un peu médiévale, un peu effrayante, un peu obscure. Voilà. On l'a pas. Mais bon. Voilà, c'est obscur. Ouais. C'est presque ça. C'est très obscur pour nos jeunes lecteurs. C'est vachement obscur. Ils l'ont jamais connu, ça. Non, clairement, ils l'ont jamais connu. Alors, on va essayer d'être un petit peu plus précis, pointu. Oui, mais d'abord, on dit bonjour, Jérôme. Non, hello, l'archiviste. Hello, l'archiviste. Bonjour, Jérôme. Salut. Alors, ceci est pour toi, monsieur l'archiviste. Nous allons plonger en plein Moyen-Âge, dans une contrée totalement inconnue. Alors qu'il n'est qu'encore qu'un très jeune enfant, Aldo Brando est confié à un vieil homme par son père. Bon, on pourrait continuer comme ça, sur ce ton-là, mais il faut l'imaginer, hein, je ne vais pas me le taper tout le long non plus. Donc ce dernier, son papa, doit affronter son destin dans un combat qu'il sait totalement perdu d'avance contre le seigneur local. Il confie donc son enfant à ce vieillard qui aura la lourde tâche d'élever le petit garçon et d'en faire un homme. Un homme, un vrai. Droit, capable d'affronter le monde. Bien des années plus tard, nous retrouvons donc Aldo Brando en jeune homme cette fois-ci. Et bon, on ne peut pas dire que la transformation a été totale. Hein. Il est encore extrêmement gauche, il est assez rêveur, pas forcément le plus futé de sa génération. Bref, son maître souhaite lui apprendre un sortilège très important puisqu'il essaye de lui faire un petit peu de magie. Et les choses, bien évidemment, ne se déroulent pas comme prévu et la recette du vieux grimoire ne marche pas très bien. Le vieux maître se retrouve gravement blessé à l'œil. Et Aldo Brando va devoir prendre la route pour trouver l'herbe du loup, ce seul remède qui pourra sauver le vieillard. Et donc, au cours de ce périple qui commence, notre jeune héros va rencontrer tantôt un jeune chevalier très très louche, puis il va rapidement se retrouver au fond des geôles du château. Il y fera la connaissance d'un étrange prisonnier, lui aussi assez chelou, une princesse très malheureuse, un colosse effrayant, bref, la rencontre avec tous ces personnages le confronte à la vraie vie et il va devoir faire ses choix d'homme. Oh. Voilà pour le pitch. T'as réussi à pas spoiler, c'est bien. Ouais, t'as vu, je me suis bien appliqué. Hein. J'ai fait très, très continue, vas-y. Alors, à la fin,
Ah non, pardon, faut pas que je le dise. Donc c'est une très très belle histoire qui est racontée en prenant tout son temps. Parce que, comme vous l'aurez compris, je ne me passionne que pour les livres qui pèsent plus de 14 kilos. Donc là, on a un peu plus de 200 pages dans l'album. Ça laisse de la place aussi bien au scénariste JP qu'au dessinateur Luigi Critton de nous présenter toute la richesse et la profondeur des personnages et de l'univers également dans lequel ils évoluent. Un univers qui est plein de rebondissements, plein de suspense, d'enjeux cachés, de jeux de pouvoir. Et ce que je trouve fort, c'est que les actions des différents personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, on retrouve assez rapidement les conséquences directes dans le scénario. Voilà, c'est tout de suite, ça prend de l'importance, je trouve ça assez bien réussi. Les dialogues et la mise en scène aussi apportent beaucoup de plaisir. Les intentions scénaristiques de l'auteur, bien sûr, sont claires. On voit à peu près, dès le début, d'où on part et où est-ce qu'on va arriver dans la trame générale. Mais par contre, c'est la façon dont c'est mené, c'est les questionnements et la candeur de notre petit garçonnet qui permettent d'avoir de vraies surprises. Et ben voilà, on y prend du plaisir. Le dessin de Luigi Critton, lui aussi, est remarquable, remarquable d'aisance, remarquable de sensibilité, notamment dans le choix des traits des personnages, que ce soit Aldo Brando ou que ce soit la princesse, notamment. Les choses sont assez simples au niveau du dessin. C'est parfois un peu enfantin, mais ça colle parfaitement au propos et à la personnalité des différents protagonistes. Les couleurs, elles aussi. Alors, je tiens à rappeler quand même qu'il y a deux coloristes pour cet album, Francesco Daniele et Claudia Palescandolo. Donc, on a une équipe 100% italienne pour le coup. Et donc, ces couleurs, elles aussi, rendent fidèlement les différentes atmosphères. On en a une palanquée. Il y a de la pluie battante au début. On rencontre le froid, la nuit, la chaleur écrasante dans les arènes, la poussière et la crasse dans les geôles. Bref, tout y passe et tout y passe avec succès. Et des tonalités qui sont vraiment très très bien rendues. En résumé, un album one shot très très bien réussi par cette équipe qui s'adresse à tous les publics. Et là, j'insiste là-dessus, c'est que vraiment chacun peut y trouver son niveau de lecture et y trouver quelque chose, une belle sensibilité dans le scénario et dans le dessin. Bref, une franche réussite. J'ai mon cœur qui fait boum. Thio. Alors, juste, je vais répondre à l'archiviste. Tout à fait. En fait, on a oublié les livres. On les a pas. Voilà, sauf celui-là. Sauf celui-là. En fait. Voilà. Et en fait, ils sont pas chez Thio parce qu'on est chez moi, donc du coup, on peut pas les avoir oubliés chez moi. Allez, montre quelques pages pendant que Thio nous donne son avis. Je serais pas aussi dithyrambique que toi. Je t'avoue que, alors, pour le dessin, oui, je trouve que les profondeurs des personnages est super intéressante. Maintenant, j'ai trouvé que c'est, enfin, j'ai pas été surpris par le scénario. Je m'attendais à la fin. Voilà. Donc. Après, j'ai passé un moment agréable. C'est vrai que tu suis bien l'histoire. Les personnages sont quand même assez truculents. Je trouve surtout le personnage du roi qui est purement à chier. C'est un sacré roi. Il est abject. Mais voilà. Non, c'est une bonne bande dessinée, un bon pavé à lire. Alors, moi, je l'ai lu hier soir, donc c'est encore très frais. Y a un petit côté candide. Totalement dedans, où on va voir ce personnage qui est niaille, qui n'en peut plus, quoi. Il est d'une sorte de bêtise, il est juste plein de bons sentiments. Voilà. Il a ce côté-là. Et puis ce trait qui est entre la caricature et le réalisme, qui se cherche un peu, mais volontairement, on voit qu'il va y avoir des figures qui ne sont pas ce qu'elles semblent être, des personnages picaresques aussi. Il y a tout ce côté-là, moi, que j'ai vraiment... beaucoup aimé parce que c'est une histoire qui est dans le fond qui est très dure, très noire, mais qui dans la narration est d'une fraîcheur qui est vraiment qui m'a captivé du début à la fin et j'ai vraiment adoré aussi, voilà. Mais c'est la règle, c'est la dure règle du podcast. Tu vas mourir. S'il n'y a pas trois coups de cœur, il n'y a pas de coups de cœur. L'archiviste demande si c'est une mise en couleur directe à l'aquarelle. Je ne saurais dire. Il est devenu très difficile au niveau des techniques de savoir si c'est de la couleur directe en aquarelle. C'est une possibilité, mais là, j'avoue que ce qu'on fait maintenant en informatique peut tellement s'en rapprocher que c'est dur à savoir. Ça ressemble quand même. Il faut poser directement la question au coloriste. Ça y ressemble grandement. Par contre, juste une question, tous ceux qui sont sur le chat, si vous pouvez juste me dire, vous entendez bien, parce que Azartov dit qu'il n'entend pas, donc ça me questionne. Mais il est allé à la piscine, il a de l'eau dans les oreilles. Ah, peut-être, mais je voudrais être sûr que tous les autres entendent bien, en tout cas.
Enfin, voilà, bon, je suis bien d'accord avec toi. Là, il fait du montage audio. Ah, mais voilà, tu me fais des frayeurs aussi. On a eu peur, Azertov. Fait peur à la technique. Donc voilà, bref, oui, je suis d'accord. Tu vois, pour revenir sur ce que disait Mathieu, sur ce qui ne lui a pas plu, c'est qu'effectivement, là, on voit tout de suite où est-ce qu'on va aller, du début à la fin. Mais c'est le chemin qui est très bien raconté, la narration, c'est cette partie-là qui est intéressante, finalement. Ah, je me serais peut-être attendu à quelque chose d'autre pour le final. Oui, mais oui. Bon, c'est non, ça m'a... Donc... Aldo Brando, une bande dessinée scénarisée par JP, dessinée par Luigi Critton et colorisée par Francesco Daniele et Claudia Palescandolo. Vous avez vu, mon accent italien est mieux que mon accent... Non, il est corse celui-là, parce que tu n'as pas accentué au bon endroit pour Palescandolo. Voilà, mon accent corse est mieux. Bon, que vous trouverez chez Casterman pour le prix de 23€. Je vais maintenant vous parler des Dominants, le tome 1, une bande dessinée parue chez Glénat, scénarisée par Sylvain Rimbert, dont nous avons parlé récemment avec Conan, le peuple du cercle noir, ou Le Règne. Il est aussi connu pour Orbital, Millennium, il avait repris Millennium en BD, et Le Chant des Runes. Et au dessin et à la couleur, nous avons Martial Toledano, qui avait fait Ken Games et Tebori, que nous avions beaucoup aimé. C'était bon, ça. Voilà. Notamment la couleur, d'ailleurs. Notable. Oui, c'est un bon coloriste pour lui-même. Absolument. Le monde est ravagé. Il y a une épidémie appelée la Grande Souche. Une race extraterrestre est arrivée, des sortes de créatures géantes. La plupart, certaines sont plus petites, mais c'est vraiment des trucs phénoménaux qui sont posés et qui sont juste posés, qui n'ont rien fait de spécial. Personne ne sait pourquoi elles sont là. Personne ne sait ce qu'elles veulent. Elles n'attaquent pas directement, sauf si on les attaque. Il y a des représailles. Mais surtout, elle provoque chez certaines personnes des réactions étranges, des nausées, de l'hystérie, des migraines, une sorte de sécheresse. Là, l'humanité, comme dans tout drame de ce type, réagit à sa façon. Certains voient là des divinités qui sont venues nous surveiller, nous soutenir ou nous punir. D'autres s'adaptent et certains résistent en essayant de se battre contre ces créatures qui donne surtout l'impression d'être arrivé quelque part où il y a des fourmis et que, bon, bah, le font un peu chier, mais elles s'en foutent. Voilà, c'est clairement l'impression que ça donne. Andrew est un homme qui a trouvé refuge auprès d'une communauté pacifique après que sa famille ait été complètement massacrée. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est pas vrai. Sa fille est encore en vie et elle est avec des gens. Non, c'est pas du spoil, c'est dans le résumé de l'album. Elle est avec des gens qui, eux, sont plutôt des violents. Et bien sûr, quand il va la retrouver, il va devoir se retrouver confronté à comment est-ce que je gère cette difficulté. Alors, que dire des dominants ? Ce n'est que, on est sur un monde post-apo et une invasion. Des types d'histoires assez classiques. Et en plus, dans cette histoire, on voit bien que seule la réaction des humains est importante et que le danger, en fait, est juste là parce qu'il est là. C'est très classique en fait. On retrouve ce qu'on a pu avoir dans The Walking Dead ou des tonnes d'autres séries de zombies et de monstres et d'invasions. Mais c'est hyper bien mené. Y a un gros mystère sur l'extraterrestre. On en sait très peu. C'est totalement survolé dans le premier tome. On sent qu'ils vont aller un peu vers là à la fin. Je n'en dirai pas plus pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment cette façon de raconter très américaine, avec des grandes planches, des cases qui sont un peu explosées dans les scènes d'action, quelque chose qui en jette, et une narration très sérielle. Ça ferait une super série télé, en fait. Ça ferait un peu des redites, mais oui. Ouais, mais c'est une super fluidité. Ça se dévore du début à la fin. Bref, voilà, on est sur quelque chose qui semble classique, qui a un style graphique qui marche super bien. Martial Toledano a un style à la fois inspiré du manga et de la BD américaine, comme beaucoup d'auteurs espagnols, quelque chose qu'on retrouve assez fort là-dedans, qui marche à la perfection, surtout qu'on n'était pas vraiment habitué à voir ce genre de style, il faisait plutôt du contemporain urbain dans ses autres albums. J'espère vraiment en fait que la suite va trouver un moyen de lier les humains et les extraterrestres d'un point de vue narratif, d'une façon ou d'une autre, pour créer un petit peu plus de surprise et d'intérêt. Parce que, c'est... Oh là là, c'est le pauvre gars qui essaye d'être tranquille et il rencontre de méchants humains qui, eux, viennent le faire chier alors qu'il veut juste être tranquille. Enfin, c'est un peu trop cliché. Et j'espère vraiment que cette rencontre entre extraterrestres et humains profitera de cette qualité d'écriture et de dessin qui reste une très grande qualité,
mais pour un récit qui manque un petit peu d'imagination pour le moment. Une belle mise en bouche. C'est un premier tome. Thio, qui s'est réagi, c'est ça ? Thio, oui, on va commencer par toi, vas-y. Alors, premièrement, en fait, je trouve ça dommage que dans le résumé, ils aient dit déjà que la fille était présente. Oui, je m'étais basé sur le résumé. C'est dommage parce que je trouve, moi, justement, je trouvais ça très bien que tu le découvres dedans. Ah, ben voilà, j'ai spoilé. Parce que moi, du coup, ça m'a. Je trouve ça intéressant. Mais après, bon. Après, on a quand même des grosses bébêtes extraterrestres qui se posent là, comme tu dis, qui ne font rien. Elles ne font rien, c'est vrai, mais elles font chier. Parce que, qu'est-ce que vous parlez, quand il y en a une qui se met à un endroit. C'est comme une mouche, quoi. Non, mais enfin, visiblement, tu as une zone de 10 km, en fait, tu ne peux plus approcher parce que tu vas avoir des maux de tête, tu vas saigner du nez, tu vas vomir. Ou alors, du coup. La en fait, végétation est ruinée. Oui, enfin voilà, c'est assez hallucinant, quoi. C'est des mini-fléaux. C'est ça, c'est des mini-fléaux, en fait, portatifs, qui se déplacent en plus. Portatifs, enfin. Ouais, il faut être mobile. Mobile, voilà. Au mieux mobile. Voilà. Au mieux mobile. C'est la nouvelle technologie, les téléphones portatifs, ça n'existe plus. Maintenant, le téléphone mobile, monsieur. C'est des gros porte-clés, quand même. Hein. Portable. Ouais, c'est toi. Voilà. Alors je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même une sorte de classicisme, on va dire, dans l'approche qu'il te donne sur justement l'arrivée d'extraterrestres. Mais finalement, j'ai trouvé que c'était quand même assez frais en fait dans le traitement et j'ai rien de toi qui m'a dit ouais tiens ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. Non, j'ai trouvé ça assez original finalement pour moi personnellement. Je suis d'accord avec vous deux dans le sens où c'est du très classique mais bien raconté, c'est frais, c'est dynamique et on a envie d'avoir la suite. Donc je pense que quand tu as envie de lire la suite, c'est que c'est quand même plutôt bon signe. C'est un peu le rôle du tome 1, ça présente l'univers, ça présente le monde, tu as envie de lire la suite, je pense que c'est un pari gagné pour un premier tome. Surtout, oui, encore une fois, quand tu es sur une thématique qui est aussi classique que celle-là. Voilà, je pense que le contrat est rempli pour un tome 1. Maintenant, il va falloir envoyer sur le tome 2, le tome 3, etc. Donc, les dominants, le tome 1 chez Glénat, scénarisé par Sylvain Rimberg, qui aurait pu être libraire à un an près. Dessiné par Martial Toledano, à 14,95 €. Nous quittons les plaines américaines pour nous aller dans la forêt. Absolument. N'est-ce pas, mon cher Isaac, une bande dessinée de Lomig, pardon, j'ai rajouté des lettres. Je ne sais pas pourquoi je rajoute des lettres. Basée sur un roman de Jean... Non, alors ça, je vais Eglant, le faire. Jane... Jean Eglant. J'en sais rien, moi, d'où il vient. Jean Eglant. OK. C'est ça, c'est Jean Eglant. Ouais, comment elle, tu le saches ? Elle, bah, j'en sais rien. Une femme. Bah, je te le dis. En fait, si tu te renseignes... J'ai jamais rencontré. Moi, je ne me suis pas renseigné, je le dis. Si, je me suis... Alors, je dis oui, mais en fait, c'est non. Mais pour la petite histoire, Jean Eglant était là il y a un an ou deux, je crois, à Aix-en-Provence. En conférence. Chez toi, elle est venue prendre le café. C'est ça, elle est venue prendre le café. Non, mais elle était vraiment, elle est venue présenter pas que ce roman-là, puisqu'il est quand même plus vieux. Mais voilà. Bref, donc, vous l'aurez compris, Dans la forêt est une adaptation du roman de Jean Eglant par Lomig au scénario et au dessin. Et pas de couleur, puisque nous sommes en noir et blanc. Bref, le pitch. Dans un avenir très proche, la civilisation telle que nous la connaissons s'est effondrée. Encore une fois, encore un truc apocalyptique et mon vieil. La conséquence première est un blackout. Pardon, je ne veux pas te faire de lien entre un truc apocalyptique et... Pardon, vas-y, continue. Parce que tu n'as pas encore rencontré... Vas-y. La conséquence première est donc un blackout technologique et électrique. Mais bon, jusque-là, rien de neuf. Là où la nouveauté arrive, c'est ici. Eva, qui est l'aînée, et Nell, la cadette, sont donc deux sœurs, deux jeunes femmes, qui habitent seules. Dans une maison isolée au fond des bois. Que personne ne commence à s'affoler là-dessus, on va se calmer. Je vous rappelle qu'on est dans un truc post-apocalyptique. Et donc, elles sont au fin fond d'une épaisse forêt, dans la forêt. Leurs parents sont décédés, elles sont donc vraiment toutes seules. Le père est décédé d'un accident de tronçonneuse assez dramatique, et la maman d'un cancer. Et elles vivent donc, pour ainsi dire, en autarcie, puisqu'elles sont... les villes ont été abandonnées, elles ne veulent absolument pas y retourner pour l'instant. C'est les squatteurs et les pilleurs qui les occupent. Bref, c'est quand même la cata. Donc elles veulent rester au fin fond de leur forêt, dans leur petite cabane. Elles ont appris de leur papa comment se débrouiller, créer des conserves, se chauffer, avoir de l'eau potable à la rivière, s'éclairer à la bougie, etc. etc. Bref. Malgré tout, l'électricité et notamment la musique leur manquent, principalement à Eva, la sœur aînée, qui était donc destinée à une très belle carrière de danseuse. Le problème, c'est que sans musique, comment faire pour danser et s'entraîner ?
Et nous arrivons à Noël. Les sœurs s'offrent des cadeaux. La petite sœur a cousu en cachette des chaussons de danse pour Eva. Et Eva offre à Nel un joli cahier vierge. Comment c'est un cahier vierge ? C'est pourri comme cadeau. Mais non, parce que quand vous n'avez rien, un cahier vierge, c'est juste génial. Des pages blanches, on peut écrire, on peut dessiner. C'est juste fabuleux. Et donc, elles prennent soin l'une de l'autre, comme ça, en restant bien cachées du reste du monde, en espérant des jours meilleurs et que les choses s'améliorent et repartent. C'est pas trop comment, mais voilà. Et là, elle découvre un bidon d'essence. Tadam ! T'as vu ? On avait la même. Et ce fameux petit... On s'était mis d'accord, on avait préparé avant. On aurait dû te mettre dans la confidence. On a un pas de danse aussi, hein, on se fera à la fin. Et donc la découverte de ce bidon d'essence va quand même semer le trouble dans leur petite vie à cause de toutes les possibilités qu'il offre. Est-ce qu'on va le mettre dans la voiture pour aller en ville, refaire des provisions, retrouver un semblant de vie normale, même si ce n'est que temporaire ? Bref, on prolonge l'attente. Ou bien est-ce qu'on est un petit peu dans l'instantanéité de la chose et on profite tout de suite avec le groupe électrogène et on se retrouve dans une civilisation électrifiée pour notamment écouter de la musique et pouvoir s'entraîner à danser. Vous l'aurez compris, les deux sœurs ne sont pas d'accord et c'est ce dilemme qui va être la source de toutes leurs mésaventures pour la suite. Très bien. Alors, encore une fois, un pitch un peu long, mais parce que le bouquin est énorme. Hein. Moi, je ne traite pas des bouquins qui font 25 pages, donc désolé. Le best-seller éponyme de Jean Eglant est enfin adapté en une très longue bande dessinée, environ 160 pages, tout en noir et blanc, dessiné de façon semi-réaliste, très détaillé, très agréable. Le scénario originel collapsologique, pour reprendre le terme précis, la différence entre du post-apocalypse. Alors, la minute. Je me la pète, vas-y. C'est tout l'avantage d'écrire les chroniques, en fait, on essaie de réfléchir un petit peu au truc. Ben, en fait, c'est le principe. Tu dis qu'on réfléchit pas, vas-y. Ah, pardon, excusez-moi. Tu dois réfléchir aux conséquences pour notre société de façon immédiate d'un arrêt de la technologie et comment est-ce que l'humanité va y survivre et se reconstruire. Voilà. Donc c'est pas du post-apocalyptique parce qu'il y a eu une explosion nucléaire et qu'il y a des attaques de zombies et des voleurs sur la route, tu vois. Voilà, c'est vraiment, on est dans le beaucoup plus concret et aussi le plus psychologique. Donc ça, c'est un scénario donc coloscopique. Coloscopique, c'est ça. Collapsologique. Bref, et donc c'est très bien retranscrit en bande dessinée par Lomig, qui porte donc toutes les casquettes, on l'a dit tout à l'heure, scénario et dessin. Et on va se poser les questions classiques dans cet album liées à l'effondrement de la civilisation, à l'isolement, à la recherche de moyens pour pallier aux besoins primaires. Encore une fois, rien de sexuel, même s'il y a des petites touches de temps en temps. Les relations humaines, bien sûr, et les réactions psychologiques dans des situations aussi stressantes. Tout y passe, et à mon sens, plutôt traité de bien belle manière. La forêt sera un personnage un petit peu à part entière aussi là-dedans. Tour à tour protectrice, nourricière, apaisante, mais aussi parfois inquiétante. Donc voilà, c'est l'ensemble du scénario tient là-dedans. C'est bien retranscrit du roman, puisque pour la petite histoire, moi je l'ai découvert par le biais du roman et par ma femme. Et donc là, c'est l'adaptation BD. La narration use assez fréquemment de flashbacks pour donner notamment de la profondeur au personnage et à l'histoire dans l'ensemble, pour éviter que les choses tombent un petit peu comme ça du ciel. Et il n'y a pas besoin d'artifice spécifique, comme on le fait souvent, en rajoutant une couleur différenciante ou ce genre de choses. Là, je trouve que c'est bien intégré dans la narration classique. Il n'y a pas eu besoin d'éléments spécifiques. L'intrigue, espoir, conflit, tension, angoisse, on n'apporte pas de réponse spécifique dans l'album, mais ça pose en tout cas des questions assez essentielles sur la relation à la nature et la hiérarchie entre l'homme et la nature. Bref, des préoccupations que le récent confinement et les derniers épisodes caniculaires n'ont pas manqué de remettre au premier plan s'il le fallait. Un album qui ne peut pas vous laisser, nous laisser, me laisser indifférent, et ça m'a donné envie de retaper un petit peu le roman, qui est encore plus prenant et plus complet. Bref, pour moi, un coup de cœur. Thio. J'ai rien à rajouter. Ah, t'as rien à rajouter ? Non, c'était excellent. Tu dis la même chose ? Non, je me suis régalé. Et c'est vrai que peut-être de l'avoir lu pendant le confinement, ça a rajouté une petite bille au truc quand même. Je crois que je l'ai lu avant. Moi aussi, je l'ai lu avant. Et j'ai trouvé ça très bien. Mais pas de là à y mettre un coup de cœur. J'ai trouvé ça très bien réussi. Mais pour tout vous dire, lorsque j'ai dû commencer à préparer des petites vignettes qui s'affichent sur les gens qui sont sur la chaîne Twitch, je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est déjà que ce truc ? J'en avais complètement perdu le souvenir.
Et ça m'a, voilà, j'ai trouvé ça bien. C'est ta chronique qui m'a fait me dire « Ah oui, c'est ça !» Ah, comme quoi, elle était voilà. Pas si mal, la chronique. Non, mais ta chronique était très bien. Et je comprends tout à fait l'intérêt que tu y vois. Mais je n'ai pas été aussi pris que vous deux par ce récit, que je trouve très réussi, mais qui, bah, sur certains points... Ouais, bon, j'ai pas... Voilà, ça m'a pas marqué, comme ça a pu vous marquer et vous toucher. Je manque peut-être de sensibilité. Voilà. En tout cas, désolé de vous briser votre petit coup de cœur, mais peut-être que des gens se reconnaîtront dans vos sentiments et dans l'appréciation que vous avez de ce livre et le liront. Et ils auront sans doute raison. Dans la forêt, une bande dessinée de Lomig, adaptée du roman de Gene Hegland. Yeah, baby. Chez Sarbacane. Et pour les plus forts d'entre vous, si vous arrivez à mettre la main sur le film qui existe uniquement au Canada, qui est sorti en 2016 avec Ellen Page. Ok, c'est 24,50€ le prix de l'album. Dantracon, peut-être prononçais-je mal, peut-être que c'est Dantracon. Je n'en sais rien. Ou Dantracon. Une bande dessinée qui est sortie chez Dracou, un nouvel éditeur, enfin plus trop maintenant parce que ça fait un moment qu'on aurait dû parler de leur bouquin, issu de Grand Angle, dirigé par Scotch Arleston, scénariste du bien connu L'Enfeuste de Troyes. C'est un peu l'album qui est censé lancer la collection, donner le ton et nous montrer à quel point ils vont approcher la fantasy d'une façon nouvelle. Pour ça, Scott Charleston, donc connu pour tout l'univers de Troyes, l'enfeu, troll, machin chose, mais aussi les maîtres cartographes, et dans un genre très différent et sous un nom Chimère 1887, et on n'oubliera pas Léo Loden, est accompagné. Oui, aussi. Oui, aussi, voilà, est accompagné au dessin par Olivier Boiscommun. Je ne connais pas ce nom. Un monsieur qui fait des casquettes, c'est ça ? Ouais, les casquettes. Il a fait Troll. Il s'est dessiné un peu ? Les casquettes. Le livre 2. Et, enfin, livre de Jack, livre de Joe et l'Oraignée, qu'on avait bien aimé aussi. Aux couleurs, ils sont assistés de Claude Gutt, qui a fait plein de trucs chez Soleil, globalement. Hein, ouais, il a beaucoup bossé déjà avec Arleston. En fait. Avec Arleston, mais il a aussi fait Le Pouvoir des Innocents et L'Esprit de Warren, dans un genre un peu plus sombre. Nous sommes dans un monde médiéval fantastique, avec quelques races originales, et Nuan est le marmiton d'un magot. Il est amoureux secrètement de la jolie Léré. Et alors qu'il se balade dans les bibliothèques, il ouvre un livre qu'il n'aurait pas dû et qui s'insinue en lui. Ça lui provoque des réactions super pas cool. C'est un peu comme si, comme Rincevent qui lit un livre qui apprend un truc qu'il ne devrait pas avoir. Il fait un peu cette erreur, voilà. Et en gros, il commence à avoir son sang qui devient noir, des accès de rage et de colère. Et c'est pas cool. Avec l'aide de Léré, son amoureuse secrète, qui est prête à l'aider, il va devoir échapper à un inquisiteur qui veut retrouver le voleur du livre et sans doute à un autre apprenti qui est jaloux parce que je pense qu'il voulait bien se pécho Léré. Vous aurez noté que ce scénario est assez la base de l'heroic fantasy. Nous évitons tout de même le rôle de l'élu, avec plutôt le rôle du pauvre gars qui a fait le truc qu'il n'aurait pas dû. C'est très efficace, mais... On sent un petit peu, vous savez, cette histoire du pauvre gars qui vit dans son village et qui trouve un truc magique. L'ivoire du magot à Mott, voilà, et que ça lui provoque des pouvoirs plus mieux, pour le coup, hein, plus sympa. Bref, ça ressemble beaucoup à L'Enfeuste sur la thématique, même si j'exagère un petit peu, et que, à sa décharge, on a tendance à chercher la ressemblance. On la cherche. Parce que c'est Scott Charleston qui nous lance un nouveau monde d'heroic fantasy. Au niveau du dessin, bah, c'est super dynamique, c'est léché, efficace, détaillé, même si j'avoue que Olivier Boiscommun, j'aime bien ses propres couleurs. Mais j'en reviendrai après avec le travail de Claude Gutt. Mais ça fait encore pas mal penser à du Tarquin, avec voilà, cette ligne assez moderne. Du Tarquin récent, hein, pas le Tarquin des premiers L'Enfeuste, hein, je précise quand même. Avec un héros un petit peu rouquin. Enfin, on retrouve un peu encore quelque chose d'assez proche. Et puis on cherche aussi un peu la ressemblance. Et puis,
On arrive sur la couleur, c'est le coloriste de l'Enfeust. Et ça se voit. Et c'est bien, il n'y a rien à dire. C'est chaud, c'est pétant, ça s'en jette. Et on a un peu aussi cherché la ressemblance, mais là, bon, c'était facile, on va dire. Bref, c'est la tête d'affiche de Dracou. On sent que Karl Eston essaie de refaire un Enfeust. Il essaie de retrouver un peu cette recette de son succès, avec un humour un peu moins potache, quand même, je trouve. Et un peu moins présent aussi. On est sur quelque chose d'un peu plus sérieux, un peu plus adulte que l'Enfeust, en tout cas, dans le traitement, même si on reste dans de la BD d'ado. C'est super efficace, mais on attend un peu de la suite pour être peut-être surpris sur ce qui pourrait se passer, sur ce qui va s'arriver, et qui fera que, d'un autre côté, à bien y réfléchir, même si ce n'est qu'un succès d'année de l'Enfeu, mais de qualité, c'est déjà pas mal. Si on cherche une bonne histoire d'heroic fantasy, pas trop prise de tête. Les amis, commençons par Isaac qui a l'air bien lancé. Comment dire circonspect. Je reprendrai un petit peu une remarque d'Azertov. Ça a le goût de Landfest, ça a la couleur de Landfest, ça ressemble à Landfest, mais c'est pas du Landfest. Ça, c'est moi qui rajoute la fin, mais je pense qu'on est sur la même ligne. Effectivement, on a tendance à vouloir faire la comparaison et il y a énormément de similitudes. Enfin, tu peux difficilement passer à côté. Et comme tu le disais, je pense qu'ils recherchent un petit peu la recette du succès. Alors après, c'est pas toujours un mal, hein, dans le sens où d'une génération à l'autre, parfois on passe à côté parce que c'est plus vieux, parce que c'est pas voilà, et on le regarde pas parce que c'est nul, mais juste parce que c'est pas dans la génération et que ça sort pas au bon moment. Là, c'est une idée de repartir là-dessus. Pourquoi pas ? Il faudra voir un petit peu ce que ça donne au niveau du scénario. Pour l'instant, ça me semble pas se démarquer d'une façon exceptionnelle. Mais il y a la Dream Team, hein, qui... c'est une Dream Team, franchement, c'est. Ah oui, non, bien sûr, mais. Voilà, à vouloir, c'est un peu comme les des groupes de musique, tu vois, il y a un super album qui sort et puis le suivant, en fait, c'est la ressucée de l'album précédent et le troisième album, c'est un peu, et tu as l'impression d'avoir les phases B, les phases C, les phases D, et voilà, et c'est un petit peu dommage. Donc il va falloir que sur la suite, ça envoie un peu du pâté pour que ça se démarque du reste de la concurrence, parce que depuis Landfest, il y a eu d'autres gens qui sont venus grignoter un petit peu leur petite part du gâteau et apporter leur petite touche ou pas d'ailleurs. Après, l'Enfeu, c'est une recette un petit peu unique, j'ai envie de dire. Dans l'héroïque fantasy, dans l'humoristique. Dans l'univers qui a été créé, en tout cas, voilà, on retrouve un peu des codes qui ont été posés, effectivement. Hein, c'était un peu les précurseurs. Donc voilà, bref, moi j'attends la suite. Ni pas bon, ni dithyrambique sur l'album. Bien, j'attends la suite. Alors, en même temps, je suis en train de lire ce que dit l'archiviste en fait sur le chat. Alors, dans Dracon, je suis d'accord avec vous, ça ressemble vraiment beaucoup à du Landfest, en plus moderne. Je suis d'accord. Donc, moi, j'ai trouvé un côté assez plaisant. L'histoire était quand même plutôt cool. Après, moi, en tant que vieux con lecteur de Landfest à l'époque, j'ai trouvé ça super cool. J'ai adoré. Je les ai tous. Maintenant, je le relis, j'ai lu dans Dracon en me disant ouais, ça ressemble à du Landfest, c'est presque du Landfest, mais l'histoire est cool, c'est sympa, tu passes un bon moment. Après, c'est peut-être pas. C'est peut-être, non, mais c'est peut-être pas. Voilà, et là, je rejoins en fait ce que disait l'archiviste, c'est vrai que. Est-ce que l'Heroic Fantasy peut se renouveler Je pense que finalement, oui, c'est vrai que quand tu regardes le cadre de l'Heroic Fantasy, tu te dis. Il n'y a peut-être pas non plus tellement de place pour à chaque fois proposer quelque chose qui va être entièrement original. Certains auteurs ont réussi, en roman en tout cas. Oui, en roman, mais je te parle. À chaque fois, tu vas avoir un petit changement par rapport au cadre, un petit truc nouveau, mais fondamental. La règle du genre. Oui, mais la règle du genre, elle est quand même. Mais le cadre est quand même déjà, je trouve, assez strict finalement sur l'Heroic Fantasy. Donc, ouais, peut-être que c'est pas si facile que ça de le changer. Mais avec Dracon, je pense que peut-être que certains jeunes petits cons d'aujourd'hui deviendront peut-être des vieux cons plus tard en parlant de Dracon et des 8 hommes. Peut-être qu'après on aura Dracon dans l'espace et Dracon mange du poulet et voilà quoi. Pour avoir une suite. Bon, de toute façon, le tome 2, je crois qu'il vient de sortir. On devrait, j'espère, pouvoir le lire. Donc, dans Dracon, chez Dracou, par Scott Charleston, Olivier Boiscommun et Claude Gutt, à 14,50 €. On finit cette série de chroniques par Kids numéro 2, dont on va nous parler, Matt. On avait plutôt pas mal aimé le tome 1 de cette BD, post-apo zombiesque un peu classique, par Aurélien Ducoudray et Jocelyn Jauré.
On a encore du post-apo. Oui, mais non, c'est une thématique. C'est une thématique, je crois, ce soir. Peut-être parce que c'est la reprise après le. Pardon. Alors, je crois que c'est le post-Covid. Je crois que le sous-titre, c'est Survivre à l'apocalypse, c'est plus sympa quand on est ado. Donc, on est en Californie, on est dans une banlieue résidentielle, le soleil, la piscine, quoi, c'est le top. Sauf quand une épidémie a transformé à peu près tous les adultes en zombies et qu'une bande d'ados essaie de survivre sans se faire bouffer. Du coup, on va se fixer quelques petites règles. On ne va pas faire des groupes de 1, on ne va pas jouer trop près de la bouche des zombies, on va s'échauffer avant de sortir. Voilà, c'est là, il faut retrouver la petite référence. Tout pourrait presque bien se passer pour ce groupe d'ados, sauf qu'il y a deux meufs qui sont arrivées, Polly et Sue, et que les règles vont soit n'ont pas été finalement si bien comprises que ça, ou acceptées par tout le monde dans ce deuxième top. Ça se rebelle, exactement. Alors juste donc pour présenter déjà un petit peu les auteurs. Donc bon, Aurélien Ducoudray, bon là lui il est un petit peu connu de nos services, on l'a déjà croisé plusieurs fois. On a les fiches, chef. On a des fiches. On l'a donc déjà vu pour Champions Z avec Eddie Vaccaro. Il est passé par chez nous aussi pour Coucher dehors, pour Les chiens de Pripyat. On avait parlé aussi dans My Dead Love, mais là celui-là je l'avais juste lu, mais on l'avait pas chroniqué. Et on en avait parlé aussi assez récemment pour le fantastique Amazing Race qu'il a fait avec l'immense, le fantastique. Oui, il n'est pas si grand que ça, mais... Oh putain. On n'attaque jamais le physique, on a dit. Toi, t'as Bruno, pas vu série Bruno Bessadi, alias El Bruno. Et Jocelyn Jouret, donc, qui lui a travaillé dans les jeux vidéo chez Gameloft, chez Ubisoft. Il a travaillé aussi dans l'animation. Et je pense d'ailleurs que c'est peut-être aussi d'où son trait de crayon. Et Kids, en fait, est sa première bande dessinée complète. C'est pas mal. Alors, on va parler donc justement du dessin de Jocelyn Jouret. Un dessin voilà, qui crée vraiment, je trouve, du dynamisme. On a des super cadrages. Moi, j'ai trouvé qu'il y a une scène à un moment donné où ils sont en train de fumer une vieille dans une piscine qui faisait des cookies, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et en fait, à un moment donné, tu vois le plan en fait, du zombie qui regarde par en dessous. Et en fait, j'ai trouvé que c'était super joli. Oui, il y a des prises de vue vraiment voilà, originales. Les plans qui sont choisis, justement, voilà, permettent vraiment d'amener une petite tension dans la narration. On va ressentir de la nervosité. Ça va créer un petit peu de l'attente, justement, par le dessin. Il y a des cases où il se passe presque rien, mais c'est juste, tu sais, comme quand tu regardes, c'est le plan de couvre que quand tu regardes un film, juste pour créer un petit temps en fait entre les actions. Et je trouve ça vraiment bien mené. Quoi. Les personnages du coup dans le trait me font penser à Gorillaz. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Mais moi j'aime, pas beaucoup, mais j'aime. Et la couleur voilà, va venir justement marquer un petit peu les sentiments qui vont être présents pour les personnages. Quand il va y avoir de la couleur, on va avoir... De la colère. Quand ils mettent de la couleur. Claire. Donc la couleur marque des fois la colère. Ah. Excusez-moi, j'ai ma langue à fourcher. Comme c'était dans Lucky Luke, d'ailleurs. Oui. Du coup, on va avoir... Ce sont souvent en fait, des aplats qui sont utilisés. Mais voilà, ça donne un petit côté voilà, un petit peu cartoony au truc. Et je trouve voilà, vraiment l'ensemble est super agréable. Au niveau du scénario. Alors, El Dictator, c'est lui en face, là, le mec qui avait le... Hein, vous le voyez. Il m'a dit, et quelque part, il n'avait pas tort, hein, il me dit, putain, encore un truc de zombie. Voilà. Et finalement, il a presque me dire, ouais, putain, encore un truc de zombie. Et en plus, c'est des gamins et ils sont tout seuls. Ouais, en fait, c'est le mélange entre Walking Dead et Seul. Voilà. Et il aurait eu peut-être... Non, si pour le putain de truc de zombie, t'aurais pu le dire. Ah oui, la oui, suite, oui. C'est moi qui l'ai rajouté. Finalement, il n'aurait pas eu tort. Tu vois. Si c'est l'histoire de Walking Dead, mais il y a juste Carl qui est seul avec des molles. Quoi. C'est sympa, c'est aussi. Mais le scénario va amener vraiment un petit peu plus de profondeur, en fait. Chaque personnage va avoir des failles, des doutes. Et même si ce sont des gamins qui s'amusent, ils ont chacun eu un vécu qui fait que chacun son secret. Quoi. Et finalement, on retrouve quelque chose qui est très adulte dans l'écriture. Et le tempo de la narration est, je trouve, très très bien marqué parce qu'il y a des moments qui vont être très dynamiques avec beaucoup de mouvements, d'action, de la violence verbale ou physique, et des moments en fait où ça va être très calme et où tu vas peut-être des fois te retrouver avec les gamins qui vont avoir leur petite vie d'ado qui va être très cool, très drôle, ils vont s'amuser à faire une petite vidéo parce qu'il y en a qui s'appelle Spielberg et qui filme tout. Ou ils vont juste jouer à la console, quoi. Alors du coup là, c'est pas un scénario coloscopique, hein, parce que du coup ils ont encore l'électricité. En option logique. Voilà. Mais et tout ça fait, ça donne un ensemble, je trouve, qui est finalement pas tant une répétition que ça d'un scénario de zombie classique, quoi.
Donc voilà, moi, pour moi, j'en suis déjà au tome 2. Et alors, juste pour vous dire pourquoi je vais dire dans mon bilan que c'est vivement la suite, c'est parce que dans ce tome 2, il y a quand même des événements qui se déroulent qui donnent vraiment beaucoup de gravité au récit. Et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer après, parce qu'il y a des choix qui ont été faits et ces choix vont changer beaucoup de choses. Ti. Alors, moi, ce qui me marque, c'est effectivement qu'on est sur quelque chose d'assez classique au niveau de la situation. Voilà, on est encore sur un post-apo, on est encore sur un zombie, on a encore un groupe de gamins. On ne sait pas trop comment est-ce qu'ils survivent, mais ils survivent. Par contre, ce qui est fort, effectivement, c'est la narration. Ce qui est fort, c'est la mise en scène. Ce qui est fort, ce sont les cadrages. Ce qui est fort, c'est l'effet dessin animé sans animation. C'est-à-dire que tout est fluide, voilà. Tout est bien posé. Il n'y a pas un dessin avec un enfant qui n'a pas une pose naturelle. Voilà, tout est fluide, tout fonctionne. C'est voilà, tu disais tout à l'heure que Jocelyn Jauré, c'était sa première BD complète, mais c'est je trouve incroyable. Voilà, c'est un carton plein là-dessus. C'est sa deuxième, celle-là. La deuxième. Oui, sa deuxième, parce que j'ai fait Kids, le premier. Série, mais... c'est de la même qualité dans le premier, ouais, il est rigolo. C'était une blague. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement abouti au niveau de la réalisation, de la narration, du dessin et de la couleur. Moi, après, ce sur quoi j'ai des petites interrogations, c'est où est-ce qu'on va, scénaristiquement parlant. Voilà. J'ai l'impression qu'ils arrivent à faire du très très bien avec pas énorme au niveau du scénario. Voilà. Et ce sont des super conteurs, ce sont des super raconteurs, que ce soit au niveau des dialogues, de la mise en scène ou du dessin et de la couleur. Mais que sur le scénario, pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas beaucoup dévoilé d'éléments. Voilà. On n'est pas allé très très loin au niveau du scénar. Donc j'espère que la suite va prendre de l'ampleur aussi sur ce côté-là. Pas que pour l'instant ça gêne, mais pour la suite, pour que ça aille loin et que ça aille un peu longtemps aussi, pour qu'on puisse en profiter, parce que c'est une vraie, vraie, vraie réussite. Ah, alors moi, je trouve que ça a déjà pris de l'ampleur. Ouais, là, ce tome que j'ai commencé à lire, le tome 1, un petit peu comme le disait Thio, il y a un peu de Stranger Things aussi. Il y a beaucoup de références aux années 80. Aux années 80. Mais il y a un passage là, dans ce tome-là qui m'a retourné. J'ai été surpris, j'ai été à la fois choqué et à la fois ravi d'être plein de ces émotions-là que tu apprécies quand tu t'y attends pas. On ne va pas spoiler, mais peut-être que c'est parce qu'il est dans un cadre particulier avec des gosses, qu'on a l'impression que c'est de la guéguerre de gosses, etc. Mais il arrive à te dire, non mais attends, on n'est pas que là, quoi. C'est autre chose. Alors ouais, certes, c'est des gosses. Et la question que je me pose, c'est peut-être... Enfin, il ne peut pas les faire grandir, parce que le titre de la BD aurait plus de sens. À dose, il va faire pour la suite, je sais pas. Voilà. À dose, adultes. Voilà. Mais enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très, très bien. Voilà. Donc, Kids de Jocelyn Jauré, de Aurélien Ducoudray. C'est chez Glénat. Ça coûte 14,95€. On me signale sur le chat, c'est V Entertainment TV, qui me dit qu'il y aurait un jeu de plateau. Et franchement, ça donne plutôt envie, si c'est bien mené. Alors, les jeux de plateau sur les zombies, il y en a des tonnes. Hein. Ouais, mais on va attendre. C'est quoi ? On va attendre que l'archiviste l'achète, qu'il le teste et qu'il nous fasse une petite chronique là-dessus. Mais quelle bonne idée ! Et il faut savoir aussi que le jeu a été... la BD, pardon, a été traduite aux US. Elle est publiée aussi aux US. Donc, ça s'appelle les Kids United. Ouais. C'était ma blague de la soirée. Elle était pas mal. Non mais par contre, moi j'ai trouvé très jolie la couverture qui fait un petit peu référence justement à un personnage un petit peu célèbre de la série Walking Dead aussi. C'est possible, oui. Parce que clairement, pour moi, ça m'a fait très penser à Daryl. Ça n'est pas marqué. Parce que même la coupe de cheveux, si tu veux, avec le cheveu un peu filasse là, qui passe devant les yeux, et l'arbalète. Enfin bon. Allez, on passe à notre nouvelle rubrique. Hors sujet. Et on sort un vieux jingle pour l'occasion, car on n'a pas pu garder notre vieux. On n'a pas encore le nouveau jingle. Je vais jeter pour vous un œil sur Final Space. Final Space est une série que vous allez pouvoir trouver sur
Netflix, une série animée d'épisodes courts. Donc, vous pourriez plutôt rapprocher ça de, des Simpsons, etc. Donc, c'est un épisode d'une vingtaine de minutes, vraiment classique dans la construction. Au départ de la série, on va juste voir un gars seul dans l'espace, avec plein de débris autour de lui, l'air abandonné, un silence quasi total, et une voix robotique qui lui dit « Il ne te reste que 10 minutes d'oxygène, tu vas bientôt mourir, Gary. » Et là, on commence à s'inquiéter, et là, flashback, comment Gary en est-il arrivé là ? Parce que je vais te dire, s'il continue, finalement, il ne reste que 10 minutes de la série. La série nous raconte l'histoire de Gary. C'est la saison la plus courte. Un astronaute qui a été prisonnier avec son ami Mooncake. Il l'appelait comme ça, parce que c'était sa peluche. C'est une sorte d'extraterrestre qui, en fait, a un pouvoir qui le rend capable de détruire des planètes. Il le découvre assez rapidement en cours de route. Et Gary est dans son vaisseau et une de ses punitions, c'est un vaisseau prison. Et il y a un androïde qui est là pour le surveiller. Et le faire chier. Tu sais, le gars super lourd et chiant qui est tout le temps avec toi. Il est là. Et en plus, il y a un distributeur de cookies. Et à chaque fois que Gary veut prendre un distributeur de cookies, veut essayer de prendre un cookies, non seulement le robot lui fracasse la gueule, et il a un an de peine en plus. Sauf que Gary, il veut des cookies, quoi, maintenant. Là. Il a plus envie que de ça. Bien sûr, quelqu'un veut trouver Mooncake, la créature étrange, car il pourrait amener au Final Space, un espace infini donc, qui se retrouve au fin fond de la galaxie, et il veut en faire sortir des monstres pour contrôler le monde, enfin, gros méchant classique, etc. On est dans une série humoristique, avec un casting au niveau des voix qui est plutôt pas mal. Alors, on a le créateur, Alan Rogers, mais on a aussi David Tennant. Juste pour dire, on a aussi Jane Lynch. Je ne sais pas si vous voyez qui est Jane Lynch. C'était l'entraîneuse d'Anglie. On a Alan Tudyk. La coach d'Anglie. Ouais. Celle qui était chasseuse, dont les parents étaient chasseurs de nazis. C'est ça. Il y a Alan Tudyk qui était pilote dans Firefly. Ron Perlman. Petit casting, quoi. Sympathique. Qui était Salvatore dans Le Nom de la Rose. Voilà. Stop. Et apparemment, français, c'est pas mal. Ils ont demandé à Baptiste Le Caplain de faire la voix française. Alors moi, j'ai un cadre en VO, donc je sais pas trop, mais j'aime bien Baptiste Le Caplain comme comique. C'est une série qui est intéressante parce que c'est un humour assez trash, assez violent, vraiment clairement très adulte. Et on n'arrive pas trop et ça arrive à alterner entre des moments un peu mélancoliques, un peu tristes, qui rendent l'intrigue un peu prenante parce qu'on est très inquiet. Parce que bien sûr, il y a 10 épisodes dans la première saison. Au deuxième épisode, ça recommence par le gars seul dans l'espace. Il y a une voix qui lui dit « Il te reste 9 minutes à vivre. » Puis au huitième épisode, « Il te reste 8 minutes. » Voilà. Et c'est vraiment très bien construit. Le héros est insupportable. Il est complètement bizarre. Il y a des moments où tout le monde part en vrille et hurle dans tous les sens. C'est une série vraiment surprenante et étonnante. Que franchement j'ai adoré. Oui, il y a Conan O'Brien aussi qui fait une voix en VO et que je vous recommande. C'est très court, franchement, ça va pas très loin. Donc il y a une deuxième saison qui est en cours que j'ai un petit peu moins appréciée parce qu'on perd un petit peu de ce côté morose, un peu, tu sais, ce rire jaune, ce côté un peu que j'ai bien aimé. Même si quelques épisodes nous rappellent que la série est capable de faire plein de choses très bien dans le genre. Voilà, Final Space, une série sur Netflix que je vous recommande. Eh bien, excusez-moi. Sur ce, je crois que nous avons fini notre première émission de notre nouvelle formule. On s'en est pas trop mal sorti, j'ai l'impression. Nous avons eu du public et ça, nous en sommes vraiment ravis. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Nous revenons très bientôt, car vous le savez, nous enregistrons en live 2 émissions d'affilée, le temps de faire une pile de BD que nous avions oublié de faire cette fois-ci, ce qui nous aidera un peu à les regarder et les chroniquer un peu mieux. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur lavoixdesbulles.fr pour avoir plein d'infos sur ce que nous faisons, avoir des liens vers les émissions. Vous pouvez nous aider en cliquant sur les petites vignettes qui vous guideront vers une page Amazon qui nous reverse un peu. Et ça fait longtemps qu'ils nous ont rien versé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, car nous avons un Tipeee. Et franchement, les tipeurs, ce sont les gens les plus mieux cool du monde. C'est des very important tipeurs. Voilà, c'est des gens qu'on aime beaucoup. Des vites.
Voilà. Et puis bien sûr, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, moi particulièrement. Si vous voulez nous conseiller des choses, nous dire du mal de ce que nous avons dit, nous contredire, vous avez le droit. Nous serons contrariés, mais nous reviendrons quand même pour une prochaine émission. Vous pouvez essayer de trouver des choses qui sont fausses dans ce qu'on a pu dire, et il n'y en aura absolument pas. Et même s'il y en avait, on ne le dira pas. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bye, bye. Bye, bye.